Coucou, c'est Fafache. Donc dans ce cours, nous allons découvrir deux notions de la tactique, qu'il s'agit des fourchettes, des attaques doubles, et des attaques à la découverte. Donc on va commencer par les fourchettes. Alors, on va prendre l'exemple là, qui est là. Les noirs voudraient bien attaquer le pion là, mais ils peuvent pas parce que c'est protégé par le cavalier. Par contre, le cavalier, lui, il n'est pas protégé. Donc les noirs se sont dit, tiens, on va attaquer le défenseur, donc une attaque double, et ça nous permettra de prendre le pion. Mais les blancs sont malins. Ils bougent le cavalier, et là, ça c'est une vraie fourchette, c'est-à-dire que le cavalier menace et le roi et une autre pièce. Dans ce cas-là, c'est le roi, hein, mais ça peut marcher aussi avec autre chose. Hein. Et tant que c'est des pièces de valeur supérieure. Et qu'à la fin, il peut en prendre une. Donc, dans ce cas-là, le roi n'a pas le choix, il remonte. Et hop, on peut reprendre la tour. Voici un exemple de fourchette. Alors, voici un autre exemple. Dans ce cas-là, les blancs, en dernier, ont joué le fou, ont sorti le fou, là. Et les noirs se sont dit, bah tiens, c'est une bonne occasion de foutre un peu le bordel. Donc ils prennent le pion. Voilà, comme ça. Les blancs reprennent. Et là, on met une fourchette. C'est-à-dire que le pion va récupérer une des deux pièces. Sauf si le fou se sacrifie. Mais voici une fourchette. Donc, un pion qui menace deux pièces. Bon, dans ce cas-là, le fou va reprendre en se disant, on m'a pris un pion, j'ai pris un cavalier, je lui prends un pion, il me reprendra le fou. Mais là, ça commence à créer des problèmes très rapidement, parce que ça va très vite, quoi. Mais bon, ça, c'est la conquête du centre, c'est une autre partie. Donc, on a déjà vu deux types de fourchettes. Maintenant, il nous reste à voir l'échec à la découverte. Donc, si on fait les calculs, là, nous avons 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 9, très bien, la partie est équilibrée. Alors, l'idéal, ce serait d'échanger une tour contre la dame. Là, ce serait tout bénef. Alors, une attaque à la découverte, c'est quand on bouge une pièce et que c'est une autre pièce qui attaque. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on va bouger le fou, voilà, et la dame est menacée par la tour, comme ceci. Donc là, on ne dit pas échec, mais si ça avait été le roi là, ça aurait été le même principe, on aurait dit échec. Ce qui peut être surprenant, et imaginez-vous que, je sais pas moi, bah tiens, on va prendre l'exemple suivant. Voilà. Imaginez-vous un instant que on mette échec comme ça. Le roi va être obligé de bouger. Et là, la tour peut aisément venir prendre la dame. Donc, ce qu'il y a de dangereux avec une attaque à la découverte, c'est que la pièce qui découvre, elle peut aller attaquer ce qu'elle veut. Comme ceci. Là, elle attaque le roi, donc le roi est obligé de trouver une solution. Alors, bien entendu, la dame peut venir devant, mais ça change pas grand-chose à l'affaire, quoi. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors, le plus subtil dans les attaques à la découverte, c'est l'échec double. Alors, je vais vous donner l'exemple là. Donc là, le jeu n'est pas du tout équilibré, c'est purement pour vous donner l'exemple. Les blancs sont moins bien. Par contre, ils vont mettre échec à la découverte avec la tour. Et un deuxième échec avec le fou. Alors, s'il n'y avait pas eu la tour, il n'y avait qu'à avancer le pion, plus d'échecs. S'il n'y avait eu que la tour, on aurait bougé le roi, ça n'aurait pas été un problème. Ou alors on aurait mis le cavalier là, ça n'aurait pas été un problème. Donc les deux échecs sont parables. Pas en même temps, pas en un seul coup. Donc l'avantage de l'échec double,
comme ceci, c'est que c'est obligatoirement le roi qui doit bouger. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est obligatoirement le roi qui doit bouger. Et dans ce cas-là, ben, le roi est mort, puisqu'il ne peut pas aller ni là ni là. Et comme le roi doit bouger et qu'il est en échec, et ben voilà, c'est mort. Donc en fait, toutes les pièces qui sont autour le gênent plutôt que le protègent. Voici donc un exemple d'échec double final. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons encore un exemple de fourchette. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un échange de dames. Et nous avons donc le cavalier qui peut reprendre l'autre cavalier, qui met échec le roi et qui menace la dame. Alors dans ce cas-là, pour votre culture générale, ça s'appelle une fourchette royale. C'est-à-dire que on menace les deux membres du couple royal, c'est-à-dire le roi et la dame. Et donc là, dans ce cas-là, on peut faire tout ce qu'on veut. Déjà, le roi est déroqué, comme ça c'est vite réglé, et la dame saute. Dans ce cas-là, soudainement, les noirs sont mieux. Voilà pour les exemples. Donc les fourchettes, c'est toujours le même principe. Il faut en général que les pièces soient sur la même couleur. Donc il faut faire attention. Souvent c'est des fourchettes avec les pions. Donc comme dans l'exemple tout à l'heure. Le pion avance et il attaque deux pièces. Ou alors le cavalier. Le cavalier est assez méchant dans les fourchettes, puisqu'on ne peut pas le reprendre. Voilà pour les fourchettes et les attaques à la découverte.